Alors, le chemin de Vicette, alors tout de suite dans le Tarot de Marseille, vous voyez, il est tout seul, et tout seul et autonome. Souvent dans le Tarot de Marseille, on va parler plutôt de quelqu'un qui réussit par lui-même. On voit dans le graphisme, tout simplement, et là je vais me permettre de faire un graphisme, on va faire un peu plus de numérologie sur cette petite vidéo. Si vous voyez, le 1 c'est le battleur, donc il est bien droit. Le 7, c'est un 1 qui a pris du recul. Et ce 7, c'est un général, il est moins adolescent, il a compris des choses. Donc cette chose, c'est quoi? C'est il a besoin d'analyser la situation. Il est seul, autonome. C'est quelqu'un qui peut être secret. Et c'est le mérite par soi-même. Souvent, on dit que dans la numérologie, c'est le nombre du chaman et du druide. Donc besoin de s'isoler. Par moment, toujours pas bien perçu dans cette société de s'isoler. Mais cette personne a besoin de se réaliser par soi-même. Ce 7, c'est une personne qui peut avoir une sorte de différence par rapport à la société actuelle. Donc il est un peu là pour moi. Pour rapporter cette différence. Souvent, on le dit canard boiteux dans la famille, dans la numérologie classique, mais dans le tarot de Marseille, on a bien compris qu'on se réalise uniquement par soi-même. Voilà pour le 7. Merci Richard. Merci David.